Un troisième volet en forme de reconception totale euh, de la série, dans le sens où c'est un vrai préquel cette fois. Ce n'est pas un film qui se passe en parallèle de l'histoire du premier, c'est un vrai préquel qui est mis en place avec Paranormal Activity 3, donc de Henri Just et Ariel Schulman. Euh, l'histoire, eh ben, on se retrouve dans les années 80, euh, dans cette fameuse maison qui a brûlé et que Cathy et Christy ont connue toute jeune. Et donc, on va découvrir comment le démon s'est rapproché d'elle euh, et surtout, et plus particulièrement, de Christy. C'est là tout l'intérêt du film c'est de montrer que c'était Christy qui était la cible première et ensuite que c'est devenu Cathy. Et bien, ce volet est intéressant. Ce volet est vraiment intéressant dans le sens où, par le fait de revenir dans les années 80, on se retrouve avec un problème que les deux réalisateurs, Henri Just et Ariel Schulman, vont transformer en solution. Ce problème, c'est le fait qu'il n'y ait pas de numérique. Et pas de numérique veut dire eh ben c'est un petit peu plus compliqué de multiplier les angles de caméra et d'en faire des caisses. Eh ben ça marche du tonnerre, parce que résultat, la très bonne idée, déjà au niveau du scénario écrit par Christopher London, c'est de placer le récit du point de vue d'un personnage qui est le père, ou en tout cas le beau-père des deux jeunes filles, qui est fou de vidéo. Quelle super bonne idée de créer ce personnage-là parce que résultat, ça apporte une solution au niveau de la mise en scène. Bon, déjà au niveau de l'écriture, euh, très clairement, on est sur quelque chose de facile. Encore une fois, c'est l'énorme problème de cette série, de toute façon. Vous allez le voir, c'est que tout au long, on a la sensation que ces histoires sont vues et revues. Ce qui est vraiment intéressant là, c'est que il, les points de vue des deux jeunes filles euh, sont très bien développés dans le sens où là, on a un vrai rapport à l'enfance. On a un vrai rapport à l'enfance qui devient presque terrifiant. Et ça marche vraiment très très bien parce que c'est toujours terrifiant de voir un enfant avoir un rapport assez particulier avec un démon. Je vous renvoie à poltergeist voilà voir la petite fille dans poltergeist c'était terrifiant dans le tout premier film c'était terrifiant dans le deuxième film c'était moins bon dans le troisième film et c'était pire dans le quatrième mais voilà l'idée était là et là c'est pareil c'est à dire que c'est tout aussi terrifiant de voir des jeunes filles qui ont un rapport comme cela avec un démon et ça marche vraiment bien Tout simplement ça marche super bien. L'écriture est dynamique, euh, malgré le fait qu'elle ait des énormes handicaps, notamment au niveau du personnage féminin qui est sous-développé. Euh on a tout de même une galerie de caractères qui sont assez intéressants et on a vraiment une montée en puissance qui arrive jusqu'à cette fin, cette fin qui est vraiment impressionnante. La fin de Paranormal Activity 3 impressionne et elle marche vraiment bien, elle est vraiment terrifiante et pour le coup, ça marche beaucoup mieux que ce qu'on a eu sur la fin du 2 qui était vraiment euh, molle et chiante et là pour le coup, on a vraiment quelque chose de dynamique qui est amené dans la fin du second volet euh, du troisième volet et ça marche vraiment bien. Au niveau de la mise en scène donc Henri Just et Ariel Schulman et eh bien, il se sert super bien de la VHS. Bon, déjà, forcément, au tout début, il replace ce film dans son contexte, c'est-à-dire qu'il nous rappelle quelles sont ses cassettes et pourquoi on va les voir. Dès lors, ils arrivent tout de suite à mettre en place quelque chose de fascinant autour de la VHS. Le personnage, résultat masculin, est fan de vidéo. Et donc, résultat, qu'est-ce qu'il va faire Il va multiplier les angles de caméra. Pas en en faisant des caisses, parce qu'il est limité par les, par les bandes VHS qui ne peuvent se filmer que 6 heures, mais. Résultat, il va placer plusieurs caméras et il va trouver des idées de mise en scène qui sont vraiment intéressantes. C'est-à-dire qu'on a une vraie introspection sur le rôle du metteur en scène, puisque à un moment, tout le monde en parle. Tu aurais en a parlé. Euh, tous ceux qui ont fait une vidéo sur Paranormal Activity 3 en ont parlé. Cette idée de placer une caméra sur un corps de ventilo, c'est super intéressant parce que ça permet de créer une tension qui va se développer tout au long du plan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire de l'alternance comme on a eu sur le second. On laisse le plan se faire et la tension va grimper toute seule. C'est super génial de la part de Schulman et Juste qui résultat arrive à créer une mise en scène qui est dynamique, qui est énergique, qui est intense. Bon, qui par moment est un petit peu lourde, ça il faut le reconnaître. Mais voilà, il y a l'idée et la fin, encore une fois, reste vraiment très très bien filmée. Cette fin dans la maison de la grand-mère, elle marche du feu de Dieu et elle est vraiment impressionnante. Il y a vraiment des séquences qui sont impressionnantes et voilà, ça fonctionne vraiment très très bien. Au niveau du casting, tout le casting est très bon, là-dessus il n'y a pas grand-chose à en revenir. Les deux jeunes filles sont vraiment surprenantes. C'est très rare dans ce genre de production d'avoir un vrai travail qui est effectué avec les deux jeunes actrices et surtout quand elles sont enfants. Là, ça marche vraiment bien, les deux jeunes filles sont impressionnantes et on les garde vraiment en tête à la fin du film. Enfin voilà, c'est saisissant mais elles sont vraiment vraiment bonnes. Donc voilà, ce troisième volet réalisé par Schulman et Joux était intéressant, était vraiment intéressant et il marche vraiment bien. Et donc on s'en doutait, il en fallait un quatrième et donc il y en a eu un quatrième radicalement différent.